Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo destinée aux internes de psychiatrie de première année et consacrée aujourd'hui à quelques conseils pour trouver de l'information sur les conduites suicidaires. Alors, j'ai aucun lien d'intérêt particulier depuis 5 ans qui pourrait influencer mon propos aujourd'hui. Alors évidemment, la première source d'information pour des médecins, pour les chercheurs, ce sont les publications scientifiques. Et vous voyez sur cette diapo l'évolution du nombre de publications en suicidologie. C'est un travail de bibliométrie qui avait été réalisé par Louis-Paul Astraud, qui était alors interne de psychiatrie à Paris. Alors vous voyez que le nombre de publications en suicidologie a explosé à partir du début des années 2000. Et actuellement, il y a à peu près 3 000 publications spécifiquement sur les conduites suicidaires ou les idées suicidaires ou les gestes auto-infligés publiés chaque année dans le monde. C'est bien très très difficile évidemment de suivre la totalité des publications en suicidologie. Alors une autre source d'information, bien sûr, ce sont les livres. Et je vais vous donner ici trois ouvrages, vous recommander trois ouvrages généraux. Le premier, ce sont l'ensemble des rapports publiés par l'Observatoire national du suicide, qui a été créé en 2013 et qui publie depuis 2014, chaque 2 ans, des rapports qui sont accessibles en ligne gratuitement. Et ces rapports sont très intéressants parce que vous avez d'une part des données très générales. En épidémiologie du suicide en France essentiellement, et puis un certain nombre de thèmes qui sont abordés. Par exemple, dans le rapport qui est présenté ici, vous avez le lien entre suicide et travail et chômage, ou les systèmes d'information. Il y a eu aussi des sujets sur la recherche et sur les adolescents, par exemple. Un deuxième ouvrage que je vous présente ici, c'est l'ouvrage dirigé par Philippe Courtet, publié en 2010, qui s'intitule Suicide et tentatives de suicide, et qui couvre très largement la question des conduites suicidaires. Et enfin, un dernier ouvrage recommandé que j'ai publié en 2015, Le suicide, comprendre pour aider l'individu vulnérable, qui est un ouvrage destiné à un public général et qui aborde différents points. Alors, des publications dans le domaine des sciences humaines et la philosophie. Bon, il y aurait beaucoup, beaucoup, évidemment, d'ouvrages à recommander. Évidemment, il faut lire à un moment Le suicide d'Émile Durkheim, qui est le grand ouvrage de la sociologie, très souvent cité, parfois uniquement cité, malheureusement. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez lire Les causes du suicide de Maurice Halbwachs, également sociologue, qui va un peu plus loin que Durkheim. Un autre ouvrage de sociologie très étonnant, Les suicides de Jean Bachelard. Donc, il développe l'idée qu'il y a plusieurs types de suicides. Alors, c'est quelqu'un qui n'était pas spécialiste du tout en suicidologie, mais qui a écrit un ouvrage très très étonnant que je vous conseille. Et puis, plus récemment, Suicide, l'envers de notre monde par Christian Bodelot et Roger Establé, qui sont deux sociologues très connus. Et Christian Bodelot reste très actif dans la prévention du suicide. Deux livres que je vous recommande si vous aimez l'histoire. Histoire du suicide de Georges Minois, un ouvrage moi, qui m'a fasciné, je trouve absolument remarquable sur l'histoire. Du suicide ou de la vision du suicide à travers les âges avec un focus sur la période plus moderne. Et puis un ouvrage d'un historien anglais qui s'appelle Richard Cobb, La mort est dans Paris. Alors Richard Cobb, c'est un historien qui était spécialisé sur la Révolution française, qui avait une passion pour la France par ailleurs. Et dans ce livre, il ressort les archives de ce qui était l'ancêtre de l'Institut médico-légal de Paris. Donc, il y avait un organisme qui était sur l'île de la Cité et qui récupérait les corps des gens qui s'étaient suicidés, alors essentiellement dans la Seine, qui était le grand moyen suicidaire à l'époque.
à Paris. Un ouvrage d'un anthropologue et ami, Charles MacDonald, anthropologue français, qui a écrit et qui a décrit un taux de suicide très très élevé dans une population des Philippines, sur l'île de Palawan, population qui s'appelle les Palawan, et qui a un taux très faible de suicide, mais il y a une petite vallée avec un fort taux de suicide. Donc ce livre, Uncultural Behavior, qui n'est pas traduit en français, décrit dans une première partie cette population des Palawan, qui est tout à fait fascinante, puisque c'est une population égalitaire et non violente. Donc, je vous recommande vraiment, si vous aimez l'anthropologie, de lire cette première partie. La deuxième partie décrit son travail de recherche pour essayer de comprendre finalement ce fort taux de suicide dans cette toute petite vallée de Koulbi. Et puis évidemment, en philosophie, le livre à lire, Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, un ouvrage absolument remarquable, hein, écrit alors qu'il avait une trentaine d'années, pas plus, et qui reste tout à fait d'actualité, même avec notre regard du 21e siècle et nos connaissances bien plus avancées sur le suicide. Vraiment un livre à lire. Alors, pour ce qui est de l'évaluation du risque suicidaire et l'intervention du risque suicidaire, trois recommandations. Évidemment, le livre que vous devez absolument acheter dès le début de votre internat de psychiatrie, La conduite de l'entretien psychiatrique par Sean Christopher Shea. C'est un ouvrage remarquable. Il vous faut le lire, il faut le relire, il faut y passer du temps, il faut faire le va-et-vient entre la lecture et puis votre pratique clinique en stage. C'est un ouvrage absolument essentiel et que vous allez compléter avec l'évaluation du potentiel suicidaire, donc qui se focalise spécifiquement sur l'évaluation du risque suicidaire. Ce sont deux livres qui ont été traduits par deux personnes qui ont beaucoup compté dans l'enseignement du risque suicidaire et dans les formations à l'intervention de crise suicidaire, c'est-à-dire Jean-Louis Terrat, qui était professeur de psychiatrie à Lyon, et Monique Seguin, qui était professeure de psychologie au Québec. Ce sont deux personnes qui restent encore très actives dans le champ des formations. Et concernant Monique Seguin, bien, je vous conseille le livre qu'elle a co-dirigé, qui s'appelle Intervention en situation de crise et en contexte traumatique, un ouvrage très très intéressant pour l'intervention de crise. Alors, des témoignages, il y en a eu beaucoup, témoignages écrits notamment, je ne peux pas tous les citer, je vous en donne trois, The Savage God de Hal Alvarez, qui est un romancier britannique qui est passé à travers une crise suicidaire et qui l'a très très bien décrit. Je ne crois pas que ce soit traduit en français, à vérifier. Traduit en français cette fois-ci l'ouvrage de William Styron, qui est un romancier américain, Face aux ténèbres, où il parle de sa dépression. Tout à fait passionnant. Et puis l'ouvrage de Kay Jamison, Night Falls Fast, là aussi à vérifier s'il est traduit en français. Mais Kay Jamison, vous la connaissez peut-être, c'est une psychologue américaine, grande spécialiste du trouble bipolaire, avec à l'époque un ouvrage de référence, le Goodwin et Jamison, sur le trouble bipolaire. Et qui se trouve elle-même souffrir d'un trouble bipolaire, et elle est passée par des périodes très très difficiles de crise suicidaire. Donc elle décrit dans ce livre la question des conduites suicidaires, à la fois en tant que scientifique et clinicienne, et à la fois en tant que personne qui a vécu ces moments difficiles et des crises suicidaires. Alors évidemment, si on veut comprendre le suicide, bah, il faut aussi se tourner vers les très nombreux mythes où il y a beaucoup de suicides, beaucoup de romans, beaucoup de films, beaucoup de chansons, beaucoup d'opéras, beaucoup de tableaux ont porté sur le suicide. Évidemment, ça inspire beaucoup les artistes qui peuvent eux-mêmes avoir vécu des périodes très très difficiles. Et puis c'est un sujet dramatique qui inspire. Je vous ai mis quelques exemples ici parmi tant d'autres. Hein. Hamlet, évidemment, to be or not to be, hein, c'est la grande question. Faut-il continuer à vivre? Vous avez Othello, et là je vous conseille évidemment de voir le film d'Orson Welles.
Dans les tableaux, vous avez le suicide de Socrate par David, vous avez le suicidé, très fameux tableau de Manet. Et puis vous voyez aussi très étonnant tableau de Warhol, une personne qui se suicide par précipitation. Évidemment des films, Pierrot le fou, film plus récent, Au nom de la terre, un très beau film sur la détresse des agriculteurs, Thelma et Louise, et puis Virgin Suicide, quelques exemples de films connus. Et puis je garde pour la fin évidemment Les souffrances du jeune Werther de Goethe, c'est un ouvrage très très important en suicidologie. Et on dit qu'à la suite de cet ouvrage, il y a eu plusieurs cas de suicide en Europe. Le jeune Werther se suicide de manière très très romantique, évidemment, à la suite, une déception amoureuse. J'ai un livre à lire, évidemment. Alors, il y a des ouvrages, il y a des livres, il y a des films, et puis il y a des revues scientifiques spécialisées en suicidologie. Il y en a trois principalement, sont toutes anglo-saxonnes. La première, c'est Suicide and Life-Threatening Behavior, qui est la revue de l'Association américaine de suicidologie. Vous avez également Crisis, qui elle est la revue de l'International Association for Suicide Prevention, IASP. Et puis, vous avez la revue de l'International Academy for Suicide Research, IASR, qui s'intitule Archives of Suicide Research. Il y a des sociétés savantes en suicidologie, il y en a beaucoup, je vous en cite trois. Le GEPS, qui est la Société savante de suicidologie française, donc le groupement d'études et de prévention du suicide, créé en 1969. Vous pouvez aller voir sur son site, vous pouvez aussi devenir membre du GEPS si vous travaillez sur cette question des conduites suicidaires, que ce soit en tant que clinicien, chercheur. Vous avez donc, je l'ai déjà cité, l'IASP, c'est la grande association internationale de prévention du suicide créée dans les années 60, et puis plus récemment l'IASR qui se focalise un peu plus sur la recherche. Ces trois sociétés savantes organisent des congrès, donc le GEPS organise en France un congrès annuel, l'IASR et l'IASP organisent des congrès mondiaux. Tous les 2 ans. Et puis vous avez un congrès européen qui n'est pas rattaché à une société savante, qui s'appelle le European Symposium on Suicide and Suicidal Behavior, ESSSB, dont la prochaine édition sera en août 2022 à Copenhague et la suivante en août 2024 à Rome. Une source d'information très intéressante se trouve à la bibliothèque du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, qui est localisée à l'hôpital Sainte-Anne, qui a un fonds très très important et ancien en suicidologie, fonds qui s'est enrichi dernièrement par un don du professeur Jean-Pierre Soubrier, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui a fait don donc à la bibliothèque d'un grand nombre d'ouvrages en sa possession en suicidologie. La bibliothèque, par ailleurs, a créé un biblioguide, c'est-à-dire une page web avec toute une série de recommandations de lecture organisées par thématique. J'ai eu la chance, avec Jean-Pierre, de participer à la création de ce biblioguide avec la directrice de la bibliothèque, Catherine Lavielle, et Pauline Jaillet, qui est bibliothécaire là-bas. Notamment, vous verrez, si vous y allez, il y a une frise historique qui est très jolie et très intéressante, je pense, et qui présente l'histoire moderne de la suicidologie. Alors, un site français très intéressant, infosuicide.org, notamment une newsletter pour vous tenir au courant des dernières informations en suicidologie, à la fois recherche et puis tout ce qui est événement. Évidemment, en ligne, on trouve beaucoup, beaucoup de choses, hein,
nombreux documentaires et informations. Là, je vous donne deux références de TED Talk m'ont très intéressé. La première sur un policier qui a travaillé de nombreuses années sur le Golden Gate Bridge à San Francisco, qui est un pont très meurtrier. Il explique tout ce qu'il a appris, hein. Il a appris à faire de la prévention du suicide. Et puis la vidéo en dessous, c'est un monsieur qui est allé jusqu'au Golden Gate Bridge avec l'intention de se suicider. Et puis il vous raconte son histoire, c'est tout à fait touchant et en tant que soignant, très très intéressant. Alors, si vous aimez les vidéos en plan fixe, filmées du fond de la salle, avec plein de têtes devant, je vous recommande vivement ma leçon inaugurale. Je suis arrivé comme professeur de psychiatrie à Paris. Donc, ça a eu lieu en janvier 2018 à l'hôpital Sainte-Anne et ça s'intitulait Une histoire naturelle du suicide. Donc, je fais le point sur la question du suicide, sur mes recherches et la direction à donner à ma recherche. Alors, j'ai aussi créé une chaîne YouTube, donc vous êtes au courant puisque vous êtes dessus. Non, c'était surtout pour vous dire que, outre les cours, il y a toute une série de vidéos intéressantes que j'ai trouvées, qui m'ont été données notamment par Jean-Pierre Soubrier, dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a quelques conférences que j'ai données si ça vous intéresse, et puis il y a aussi une playlist. Enfin, trois playlists, une sur les conférences et les enseignements que j'ai donnés, donc une deuxième sur des vidéos recommandées sur YouTube, et une troisième qui n'a rien à voir directement avec le suicide, mais qui peuvent être éventuellement des objets de réflexion ou de plaisir. Voilà. Enfin, j'espère pouvoir redémarrer prochainement le DU de suicidologie que j'ai organisé durant 3 ans à l'université Paris-Descartes, qui s'est interrompu quand je suis parti à l'étranger. J'espère qu'on va pouvoir relancer ce DU à l'université Paris-Saclay à partir de 2023 ou plus tard 2024. C'est un DU que j'ai voulu multidisciplinaire, avec un grand nombre d'intervenants et pour des gens qui sont intéressés évidemment par une connaissance très approfondie de la question des conduites suicidaires. Voilà ce que je voulais vous dire sur un certain nombre de sources d'informations et je vous souhaite une bonne journée.